Alors, on va faire un nouveau live improvisé. Il doit être ouais, plus de 18h en Europe. Ici, 5h de moins. Quand je dis 5h de moins, je suis actuellement au New Brunswick, à Edmundston. Et là, on a 5h de décalage avec l'Europe, alors que lorsque l'on est au Québec, à Lévis, à Québec même, Montréal, on a 6 heures de décalage. Donc là, on n'a que 5 heures de décalage. Et là, on va aborder un sujet qui est plutôt orienté développement personnel. Quand je dis développement personnel, c'est vrai que lorsque j'entreprends quelque chose dans un domaine, comme là actuellement, je suis sur la mise en place d'une plateforme en web marketing qui me parle énormément, puisque j'aime le web marketing, j'aime Internet. On va parler de la réussite dans un projet, tout simplement. Et là, je vais m'appuyer sur le fait de démarrer cette plateforme et de parler de réussite. Et je vais attendre quelques minutes, comme il se doit. Lucille, bonjour. Je vais attendre quelques minutes, vu qu'on est en live. Et vu que ce n'était pas prévu, j'attends quelques minutes, quelques secondes. Dans tous les cas, ça sera vu en différé. Et il y aura moyen de poser des questions, j'y répondrai. Alors là, je suis à Edmundston, donc c'est au New Brunswick, toujours au Canada, et j'ai une bonne connexion. C'est vrai que dans les lives précédents, j'étais avec ma connexion d'Europe, et je n'avais pas forcément la bonne connexion pour faire les lives. Hello Thierry, tu vas bien Thierry? Ça fait un bail, il faudra qu'on se revoie. Jimmy, bonjour. Alors de quoi je veux parler dans ce live? Bon, les personnes rejoindront en cours de route. Je veux parler de réussite dans un projet, peu importe le type de projet. Alors là, je vais m'appuyer essentiellement sur le projet que j'ai actuellement, vu que j'aime le web marketing, j'aime tout ce qui est lié à Internet. Et je considère que tout ce qui. Je considère tout simplement qu'Internet, c'est indispensable aujourd'hui pour réussir dans une activité. Et puis, je me mets. Hello, Jimmy. Et aujourd'hui, je me mets effectivement dans une plateforme liée au web marketing. On en parle pas mal parce qu'il y a pas mal de monde qui en parle aussi, qui se lance là-dedans. Moi, j'ai mis du temps et des années à arriver à mettre tout ça en place, alors qu'aujourd'hui, dans cette plateforme, on trouve tout. Tout est rassemblé dedans. Et j'appelle ça avoir à disposition tous les outils pour réussir sur le net, ou comme ont réussi ces fameux gourous du net au tout départ. En fait, on peut tous le devenir, il n'y a pas de souci, lorsqu'on utilise tous ces outils. Alors, ce n'est pas ça le but du live aujourd'hui, c'est de dire comment réussir. Ce matin, j'avais James qui me suit, qui me disait, oui, mais tu es un extraterrestre, tu as une vente par jour, etc. Je ne suis pas un extraterrestre. Je ne suis pas un extraterrestre et si j'en étais un, ben, je le serais dans tout ce que j'entreprends. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un extraterrestre. Merci pour son humour au passage à James. Quand on entreprend quelque chose, eh bien, il faut y aller sans hésitation. Il faut vraiment se mettre un énorme focus et ne pas douter surtout. Alors, c'est vrai que là, je viens, par exemple, si je prends cet exemple avec cette plateforme web marketing, je l'ai démarré début août. En 30 jours, oui, bon, je voulais tester pour vraiment en parler, vraiment promouvoir cette plateforme. En plus, elle possède un système d'affiliation, donc je sais que j'ai dans mes réseaux des gens qui veulent gagner de l'argent, qui cherchent vraiment le bon concept, etc. Il y a le marketing relationnel. Hein. Hein, Jimmy, voilà, il sait de quoi je parle. Hein. Le MLM, le fameux marketing de réseau. Il y a aussi l'affiliation. Et là, dans cette plateforme, c'est de l'affiliation. Alors, pourquoi je réussis dans ce domaine? Pourquoi je réussis aussi dans du MLM? Pourquoi je réussis dans mes activités? Pourquoi je réussis. Alors maintenant, je travaille plus pour quelqu'un, je travaille pour moi, pour moi-même. Mais pourquoi je réussissais quand je travaillais pour quelqu'un? Pourquoi j'ai eu de super promos, que ce soit dans des jobs dans le civil, que ce soit à l'armée et autres? Bah, tout simplement, pardon, tout simplement parce que je faisais la même chose. Je me mettais vraiment le focus, je prenais la décision d'agir et d'aller jusqu'au bout sans ne jamais douter. Aujourd'hui, quand je parle de cette plateforme web marketing, je prends cet exemple parce qu'il est récent, mais je pourrais en parler pour toutes mes activités. Je vois des gens s'y inscrire,
comme dans les MLM, hein, c'est pareil. Je vois des gens s'inscrire et passer à autre chose le lendemain, se disperser rapidement, douter, une seule fois douter. Comme je dis dans mes formations, il existe quelque part dans l'univers un hangar dit spirituel. Et sur cet hangar, dans cet hangar, sur la porte de cet hangar, est inscrit votre nom tout simplement. Et à l'intérieur de cet hangar, il y a tout ce que vous désirez être, faire et avoir. Tout ce que vous désirez être, faire et avoir est là en abondance. Il suffit de passer la commande. Il suffit de décider et vous allez commencer à être livré tout simplement. Et dans un MLM, dans un système d'affiliation comme ici le web marketing, c'est pareil. Il suffit de décider de ce que vous voulez gagner, parce qu'on peut gagner de l'argent, mais aussi on peut décider dans cette plateforme de créer son propre business, de faire ses ventes et ses services, de décider et de s'y tenir sans jamais douter, persévérer encore et encore et aller jusqu'au bout, et les résultats seront là. Ils seront là, c'est quand même pas compliqué. Et malheureusement, je vois trop de personnes se passer d'une chose à une autre, d'un truc à un autre, d'un concept à un autre, d'un business à un autre. Et puis, bah, il ne se passe rien dans leur vie. Ils n'atteignent pas leurs objectifs. Ça ne marche pas pour eux. Bah, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont volatiles, j'allais dire, trop dispersés surtout. Et puis ils ont trop de doutes, on a trop de croyances. Et quand on a trop de croyances dites limitantes, eh bien, je dirais que les mêmes habitudes donneront encore les mêmes résultats dans d'autres concepts. Ça sera toujours encore et encore le même principe, et c'est ça. Il faut vraiment mettre, je dirais, une détermination ferme à ce que l'on veut et se dire, OK, cette fois-ci, voilà, si on devait recommencer. C'est de dire, je me mets dans cette affaire, je me mets dans ce concept, je vais. Alors là, c'est pareil. Je prends l'exemple encore de cette plateforme. Ça peut être pour n'importe quel type d'activité. C'est de tout passer en revue. Moi, quand je me suis inscrit début août, par exemple, je pense encore cet exemple, hein, j'ai tout décortiqué. C'est en anglais pourtant, mais j'ai tout décortiqué. Je ne suis pas un expert de la langue de Shakespeare, mais j'ai tout décortiqué. J'ai trouvé des solutions pour mettre ça en français et puis le comprendre en français. J'ai vu tout ce qui était possible et tout ce qui était réalisable et j'ai compris qu'il y avait vraiment une réelle opportunité. Et seulement à cet instant, j'ai commencé à le partager, effectivement. J'ai testé l'affiliation et j'ai vu tout ce qui était possible. J'ai décortiqué encore et là, j'ai mis en place des outils, des vidéos et autres. Et là, j'ai effectivement vu que c'était possible. Mais j'ai pas abandonné, j'ai pas douté en me disant, ah ben c'est en anglais, j'abandonne. La plupart des concepts aujourd'hui, MLM, autres, etc., souvent ça vient des États-Unis, c'est en anglais. Donc voilà, si on fait pas un effort parce qu'on se dit, bah oui, mais moi je parle que français. Non, il y a des solutions aujourd'hui, je suis désolé, il y a vraiment des moyens. Aujourd'hui, j'ai même, à force de chercher, j'ai trouvé des stylos qui traduisent de l'anglais en français, j'ai un système d'audio qui me permet de parler à une personne qui, voilà, même si je comprends pas sa langue. Je vais pouvoir entendre en français ce qu'elle me dit parce que j'ai un logiciel qui permet de le faire. On a des logiciels comme Google Traduc qui permet de traduire. On a dans les systèmes YouTube la possibilité de traduire la langue de l'anglais en français, etc. Mais pour ça, j'ai cherché, pour ça, je me suis bougé les fesses. Donc, alors, il y a Jimmy qui me dit. Bonjour Lionel. Ah non, c'est Yannick. Toujours un plaisir de vous entendre avec plaisir. C'est tout à fait vrai. Mais oui, c'est vrai. Tout ça pour dire, bon, moi, ça me désole en fait. Ça me désole des fois d'emmener des gens dans des concepts ou dans des systèmes qui fonctionnent. Si je n'en parle pas, c'est que ça ne fonctionne pas. Si j'en parle et si je me bouge moi-même, si je mets en place des vidéos que je crée moi-même pour accompagner les gens en plus, en bonus pour les aider à aller encore plus loin et réussir, c'est que ça fonctionne. Si en 30 jours, si je reprends mon concept, le dernier là sur lequel je suis, alors je vais pas souvent dans des concepts d'affiliation, de MLM personnellement, mais quand c'est un réel bon produit, j'y vais quoi. Voilà. Moi là, le dernier, c'est le web marketing, c'est vraiment une plateforme d'outils où il y a vraiment tout pour réussir sur le net. Celui qui veut réussir sur le net, il y a tout ce qu'il faut dedans. Celui qui veut réussir dans l'affiliation, on est dans une affiliation à deux niveaux. Si j'y suis, c'est parce que justement,
ça fonctionne. C'est parce que justement, on est sur un marché exceptionnel. Et puis surtout parce que bah, je suis dedans depuis 99 et Internet, sans Internet, j'aurais pas pu faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et puis je serais pas encore là en train de me balader au Canada. Vers le 10 octobre, ça fera 6 mois que je suis au Canada. Hein. J'aurais pas pu faire tout ça sans les outils Internet, c'est pas possible. Donc voilà. Si on devait résumer, je dirais que dès l'instant où vous êtes dans un concept, peu importe, vérifiez s'il est bon, bien entendu, testez-le, mais impliquez-vous dedans à 100%. À 100%, c'est vraiment le décortiquer totalement, voir ce qu'il a dans le bide, voir ce qu'il a dans le bide, le tester éventuellement. À une époque, j'ai fait de l'affiliation. C'était un TPE. Ben, j'ai testé des produits, ça ne me convenait pas. J'appelais Sylvain Millon, je lui disais ça ne me plaît pas et j'étais remboursé. Bon, là aujourd'hui, on peut, il y a des concepts où c'est encore possible. Mais voilà, si c'est pourri, c'est pourri, on laisse tomber. Mais quand on est sur un réel bon concept, si vous voyez des gens, alors quand je dis des gens, comme moi, je me bouge et je peux vraiment vous assurer que si je suis dedans, c'est que c'est du bon, du vrai. Du correct, eh bien, il ne faut pas hésiter. Quand vous tombez sur des personnes comme ça qui veulent vous accompagner, allez-y, foncez, mais ne baissez pas les bras. Alors, moi, personnellement, je continue. Il n'y a pas de souci dans ce concept. Tout comme je suis dans une sorte de système de lunettes en lumino-relaxothérapie, basé sur une sorte d'affiliation, plutôt de la vente directe. Ben, c'est surtout le produit qui m'intéresse. Eh bien, je suis dedans, je m'accroche et c'est parfait. Hein, et je ne vais pas le lâcher parce que c'est un réel bon produit qui me fait du bien, qui fait du bien aux autres et qui va aider les gens qui veulent aussi développer une activité derrière, étant donné qu'il y a un mini réseau sur 6 niveaux, voire même dernièrement ils ont annoncé un plan de carrière, mais je serai toujours dedans, mais je ne lâcherai pas et je continue à chercher des outils pour aller plus loin. Bon, peu importe mes exemples à moi, si vous êtes actuellement dans une activité, je vous en prie. Décortiquez tout, étudiez tout, rapprochez-vous de vos parrains, de vos marraines, des gens qui vous ont montré ce concept. Ne les lâchez pas, dérangez-les jour et nuit, demandez-leur vraiment ce qui vous manque pour réussir, demandez-leur des exemples, demandez-leur de vous coacher, et si eux ne savent pas le faire, eh bien c'est à eux d'aller demander au-dessus pour être accompagnés. Mais n'abandonnez jamais, ne vous dispersez pas non plus. Je vois trop de personnes là-dedans, dans au moins 10, 10, 15 MLM différents ou affiliations ou autres. Ok, quand on cherche de l'argent, je comprends, mais c'est en se focalisant que l'on attirera l'argent. Hein, c'est en se focalisant et en montrant, alors là je vais parler d'un côté spirituel et quantique, c'est en montrant à l'univers que l'on veut vraiment ça à tout prix et que l'on s'y tient et que l'on persévère parce que lui va vous tester, je vous l'assure. J'appelle ça les coups de pied au cul de l'univers. Il vous en foutra des coups de pied au cul pour vous tester quelque part et faire en sorte que vous abandonniez. N'abandonnez pas. Faites-lui un pied de nez. Montrez-lui que vous pouvez aller plus loin. Et à partir de là, tout va être là en abondance, car vous avez passé les tests et tout va se dérouler comme il convient pour que vous ayez cet objectif atteint financier, en nombre d'inscrits, en voilà, comme là dans une affiliation, donc je suis dans le web marketing, c'est rien, moi c'est un test, hein. Je ne crois pas forcément, c'est le produit qui m'intéresse dans ce concept personnellement, mais j'ai fait plus de 1 280 euros en moins de 30 jours. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui seraient heureux de les avoir. Eh bien ça fonctionne avec beaucoup de facilité, je pense. Il suffit de copier-coller des liens d'affiliés tout bêtement. Je vous mettrai les informations dessous si vous voulez. Donc voilà, c'est pas un coup de gueule, ça m'énerve pas de dire ça, non, parce que personnellement, moi, ça fonctionne, c'est sûr, mais je voudrais tellement voir des gens réussir dans au moins un concept. Et je vous assure que si, donc je résume, vous êtes dans le bon concept, si vous vous mettez des objectifs, si vous gardez le focus, si vous persévérez, parce qu'il y aurait des doutes par moment, c'est sûr, c'est normal, rassurez-vous, c'est normal. Et ne vous dites pas que ceux qui sont millionnaires, milliardaires n'ont pas de problème. C'est vraiment, c'est de la bêtise, ça. Bien sûr qu'ils en ont. Donc, à une autre échelle, qui est celle de l'affiliation du MLM, dites-vous qu'il y aura des petits soucis rencontrés, des doutes, etc. Eh bien, persévérez. Persévérez encore et encore, encore. Gardez le focus, allez jusqu'au bout et vous allez atteindre vos résultats. C'est certain, je vous l'assure,
mais arrêtez de vous disperser et surtout n'abandonnez jamais. Voilà, c'était mon live du jour. Je vous mettrai des infos dessous si vous êtes intéressé. Je regarde s'il y a des questions. Tu es bien humain. Ben oui, je suis humain, je ne suis pas un extraterrestre, mais c'est sûr, Karine. Mais je vois trop de personnes ne pas agir, abandonner trop tôt ou alors se disperser. Et ça, c'est malheureux, quoi. Il faut vraiment comprendre. Ok, Jimmy, ok. Bon, voilà. S'il y avait des questions, ben, n'hésitez pas, j'y répondrai. Alors attendez, je passe toujours devant la caméra quand je fais ça, c'est pas bon. Je vais passer par ici, ça fait partie des lives. Il faut encore que j'apprenne et que je maîtrise encore ça, c'est normal. On apprend tout le temps, hein, on n'arrête jamais. Hein. C'est ça le but de la vie, c'est ce qui est beau dans la vie, c'est de toujours apprendre. Vous savez quoi? Je ne passe pas une journée sans vous apprendre quelque chose de nouveau, de nouveau dans ma journée. Et si je n'ai pas appris quelque chose de nouveau, eh bien je me mets sur Koober, vu que je suis abonné chez Koober, et je me fais un audio, un livre audio. Et j'apprends encore quelque chose de nouveau. Je ne peux pas passer une journée sans apprendre quelque chose de nouveau. Et voilà, rien que ça, c'est vraiment un énorme levier, une énorme motivation, je vous l'assure. Donc c'est à vous de jouer. Si vous n'avez pas encore réussi dans une activité, un domaine, un business, etc., accrochez-vous. Et puis soyez. Vous savez, j'étais bah, comme Jimmy, j'ai été dans l'armée. Bah, là-bas, on n'abandonne pas, on ne peut pas abandonner. On ne peut pas abandonner quand on part en mission. On doit réussir la mission, on doit trouver des solutions, on doit contourner l'obstacle si nécessaire, mais on doit aller jusqu'à l'objectif et réussir sa mission. Eh bien, je dirais que c'est pareil. C'est peut-être pour ça qu'on prend pour parfois un extraterrestre. L'armée m'a apporté énormément et m'a aidé à avancer comme ça dans la vie, dans les activités, dans mes business. Faites comme ça, vous allez voir, c'est magnifique. Alors, je ne vous demande pas de vous transformer en militaire, hein. Ce n'est pas nécessaire, mais je vous assure que. Ne jamais abandonner et de dire j'ai un objectif à atteindre et je vais l'atteindre. Dans tous les cas, je contournerai les obstacles, mais je n'abandonnerai jamais. Je surmonterai ces obstacles, mais j'obtiendrai et j'aurai cet objectif que je veux atteindre. Et là, ça va marcher. Mais dans tous les cas, vous savez, l'armée, on n'a jamais abandonné, on allait jusqu'au bout. Et on se donne les moyens et on allait jusqu'au bout pour réussir la mission. Donc quand on est dans une activité, c'est pareil. Quand on est à bosser pour quelqu'un, c'est pareil. Et puis là, vous allez avoir des résultats, je vous l'assure. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai, même en différé. Et puis sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao!